Roselyne Filion, bonjour. Bonjour. Roselyne, fin prête pour l'occasion, justement? Bien sûr. On est revenu des Jeux du Commonwealth au mois d'octobre et on recommençait déjà l'entraînement en vue de Camoë Invitational qui va avoir lieu cette fin de semaine au Centre Claude-Robillard. Un entraînement qui, finalement, ne s'arrête jamais. En ce qui te concerne, toi, Roselyne, deux épreuves? Oui, le 10 mètres synchro qui aura lieu demain soir et le 10 mètres individuel qui va avoir lieu toute la journée samedi. Ça s'est plutôt bien passé dans ces deux épreuves-là au Jeux du Commonwealth? Oui, en individuel, ça l'a très bien été pour moi. J'ai terminé quatrième à vraiment pas loin de la médaille de bronze, ce qui est positif en début d'année. Puis en synchro, ben il me manquait ma partenaire de toujours, Megan Benchito. Ça a été un petit peu plus difficile là-dessus, mais contente de refaire la compétition avec elle en fin de semaine. Le fait de revenir plonger année après année comme ça, d'avoir l'occasion de participer à une compétition, entre guillemets, dans ta cour, ça représente toujours quelque chose de spécial pour toi? Toujours. Camoë Invitational, c'est une tradition depuis très longtemps. Justement, vous avez dit que c'est la 13e édition. Puis ça fait depuis peut-être l'an 2000 que je participe à cette compétition-là à chaque année. Donc, pour moi, c'est une tradition et j'adore plonger au Centre Claude-Robillard. Il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes cette année qui sont présents ici, de beaucoup de pays. Donc, c'est très intéressant de continuer la tradition à chaque année puis de performer en début de saison comme ça. Si ma mémoire me sert bien, il me semble que l'an passé, les Chinois n'étaient pas venus, c'est ça? Exactement. L'équipe chinoise ne s'était pas présentée à cause d'un problème de visa, mais cette année, il y a deux filles et un garçon de la Chine qui vont compétitionner cette fin de semaine. Donc, c'est là où on voit que le niveau va sans aucun doute être plus relevé. Donc, outre le Canada et la Chine, il y aura des participants des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Finlande. Il y aura aussi des gens du Mexique, de l'Ukraine, je crois, de l'Espagne, du Royaume-Uni, du Japon. Enfin, on parle là de 13 pays au total. Ça commence à faire du monde. Oui, il y a beaucoup de circulation à la piscine depuis une semaine. Les athlètes sont tous arrivés. On voit déjà des belles pratiques, des beaux plongeons à l'entraînement. Donc, ça va être spectaculaire cette année de venir voir Camoë Invitational au Centre Claude-Robillard. Plus tôt cette semaine, on a appris là par le biais des médias que Alexandre Despatie travaillait à peaufiner un nouveau saut, un nouveau plongeon, pour être, comme on dit, au goût du jour pour les Jeux olympiques de 2012. Si c'est vrai pour Alexandre, est-ce que c'est vrai pour d'autres aussi? Oui, c'est vrai dans mon cas aussi. J'essaye un nouveau plongeon en fin de semaine pour augmenter justement le coefficient de difficulté à la plateforme et pour éventuellement le faire en synchro parce que Megan fait déjà le plongeon que j'ai appris il y a à peu près 3 semaines. Donc, ça va être un beau défi pour Alexandre et moi justement d'essayer ce nouveau plongeon-là. Puis c'est le bon moment de l'essayer justement à la première compétition de la saison. Puis surtout à la maison, on est dans un environnement qu'on connaît bien. Donc, c'est les conditions idéales pour essayer des nouvelles choses. Décris-le-nous, ce plongeon-là, Roselyne. Dans le cas d'Alexandre, c'est un quadruple et demi avant groupé. C'est le plus dur plongeon que les hommes font sur le tremplin de 3 mètres. Et dans mon cas, c'est un 3,5 retourné groupé à la plateforme de 10 mètres. Donc, c'est un plongeon qu'on voit relativement beaucoup chez les femmes, que moi, j'avais de la difficulté à faire. Et maintenant, je le maîtrise assez bien pour le compétitionner. Bon, tu nous disais à l'instant que ça fait quoi, 3 semaines que tu as commencé à pratiquer ce plongeon-là? Oui, ça fait 3 semaines que je le pratique en vue de la compétition. Moi, ça me fait dire que tu es une bonne élève, parce que 3 semaines pour maîtriser suffisamment quelque chose pour y aller en compétition avec ça, c'est que tu apprends vite. Oui, ben c'est à tous les jours, on refait le plongeon. Donc, en 3 semaines, ça peut arriver vite. On a fait les correctifs nécessaires en musculation et pour développer de la vitesse et tout. Donc, c'était un gros 3 semaines d'effort et on va continuer pour le peaufiner en vue des Jeux 2012. Si on parlait de l'horaire des compétitions, donc ça commence aujourd'hui.
Oui, exactement. À 11h, il y a les femmes 3 mètres, dont Jennifer Abel, qui va compétitionner cet après-midi et en soirée pour la finale. Ensuite de ça, vendredi, Alexandre aux 3 mètres. Samedi, les filles à la plateforme. Et dimanche, les hommes à la plateforme, qui est toujours une épreuve excitante à regarder. En tant qu'équipe, est-ce que vous avez des objectifs particuliers pour ce CAMO 2010? Ben en fait, l'objectif, c'est de partir la saison du bon pied. Je pense que tout le monde essaye des nouvelles choses, un nouvel élément technique. Donc, c'est de bien partir la saison, puis de continuer en s'améliorant parce que les Jeux s'en viennent assez rapidement. Oui, bien sûr. 2012, c'est demain quasiment. Oui, ça arrive vite. Roselyne Filion, merci beaucoup. On invite les gens à s'y rendre nombreux. C'est bien de regarder et d'applaudir et d'encourager à la télé, mais là, quand ça se passe chez nous dans notre cour, faut pas manquer ça. CAMO Invitation 2010 au complexe sportif Claude Robillard. Merci beaucoup, Roselyne, et puis bon succès en fin de semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Sport Extra à la fréquence 96 sur Sirius, branché sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs expérimentés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, une chaîne satellite de Radio-Canada.